Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, regarde les sabots, ça coupe par pain, grosse et de crasse. Ils la recherchent et destruction, des merdes pour poser la bombe. Nos ennemis sont au middle, ils arrivent comme une bombe. La vicieuse est débloquée, une de plus sur le compte, les gars. Iron vrai content, j'ai déclenché la DNA. Je joue à Calor, tranquille, vers le Caucase. Marty, je crie ma classe, je roule mon joint. Et c'est parti pour des kills. Mon ex, on a plus batterie, comme cette putain de manette. Bossé, fait place de la team, bandidos, le nom de chien. Salut les gars, c'est Bandidos, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du Black Ops 2, les gars. Une petite nucléaire, je vous ai mis un petit gameplay, deux gameplays en fait. Je vous ai mis un petit gameplay, une belle nucléaire à la MTAR sur la map drone. Bien sûr, j'étais en solo, je vais faire une série de 30 et je vais mourir comme un teubé. Mais une belle petite série de 30, une belle petite nucléaire, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas mis de nucléaire sur ma chaîne. J'avais mis des plus de 100 kills dernièrement sur Black Ops 2. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir. Voilà, ce petit, putain, ça fait plaisir de voir de la nucléaire et tout, ça rappelle des bons souvenirs et ça va nous rappeler un petit peu ce qui va nous arriver dans pas longtemps. Bien sûr, je ferai, je pense, la semaine prochaine une vidéo sur mes attentes sur Black Ops 3, mon avis sur ce qu'on a vu, sur les rumeurs, sur le truc. Là, aujourd'hui, on est sur Black Ops 2, posé en mode avec Tonton. Et Tonton, malheureusement, il a perdu son pari. Donc je vais expliquer pour les nouveaux abonnés sur ma chaîne et ceux qui n'ont pas pu être là le soir sur Twitch. On va y en revenir au fur et à mesure, tranquille. Vous avez pu le voir, le petit extrait que j'ai mis juste avant le gameplay. J'en reçois tous les jours des gens qui m'envoient des photos, des petites vidéos de leur portable en train d'écouter de la zik dans la voiture, dans leur chambre. Des photos comme quoi ils ont mis cette chanson en numéro 1 dans leur playlist, sur leur téléphone quand ils écoutent avec les oreillettes et tout. Franchement, c'est énorme. En fait, le pari, c'était tout simplement Tonton devait montrer son cul. J'avais dit, les gars, en rigolant sur Twitch, mais je le pensais un peu, vraiment, tu vois. Et je me suis dit, c'est bon, c'est easy, je vais gagner, Tonton gagne, tranquille. Et là, je l'ai perdu, le pari, je l'ai perdu. Et ce fameux pari, pour ceux qui me suivaient le soir du live sur Twitch, j'avais dit, si cette chanson, elle dépasse les fucking 50 000 vues, je montre mon cul en vidéo, quoi. Je l'avais annoncé. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est à 60 000, les gars. Alors, je parle 60 000. Où on va, qu'est-ce qu'on fait, mon gros? Ça va aller où, cette chanson? À 100 000 ou quoi? Franchement, c'est énorme. Pour vous dire un petit peu, je vais parler un petit peu des stats de cette vidéo. Vraiment exceptionnel. Déjà, un gros remerciement à toute ma communauté. J'ai vraiment vu que vous avez répondu présent. Et ça fait vraiment plaisir, tu vois, quand... comment te dire? Tu vois, j'avais lancé le petit défi, mais je me suis dit, ma communauté, elle a un petit peu endormi et tout. Mais au final, frère... elle a été exceptionnelle et franchement, ça continue, des vues continuent de monter. Je prends un abonnement, mais grâce à cette vidéo, les gars, dites-vous que tous ceux qui ont fait le travail de checker plusieurs fois la vidéo, ben vous savez quoi, ça m'a ramené énormément d'abonnés. Ça n'a pas été que de passer sur la PCC, ni sur le bon plan du geek, ni... Il y a eu vos partages, certes, sur Twitter, Facebook ont été énormes, mais ça, j'en parle même pas parce que voilà, c'est vraiment énorme. Mais le fait que cette vidéo soit beaucoup vue, j'ai reçu un message d'alerteur sur ma chaîne YouTube que je n'avais pas reçu depuis très très longtemps, depuis la dernière vidéo, c'était Alice, quand j'avais parlé sur Alicia Durand. Il y a eu marqué, cette vidéo a fait plus de vues que toutes les vidéos en 6 mois. Tu as vu, genre, et de likes aussi. Voilà, on a battu le record de likes, on a battu le record de vues de ma chaîne. C'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait et heureux de ma communauté. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Tu vois, le fait que quand les gens, les nouveaux abonnés, ils vont cliquer sur ma chaîne, ils vont voir vidéo populaire, Advanced Punchline. Voilà, c'est ce que je voulais. Le Raskit du 4e mondial, voilà, c'est une vidéo qui avait 3 ans. Elle m'a servi sur ces 3 ans. Elle a été exceptionnelle aussi. Mais là, il y a la bagarre entre, j'ai vu là, 49 000 vues et 50 000 vues entre Comment XP Rapide sur Advanced Warfare et le Raskit du 4e mondial. Mais là, il y a la bagarre entre les deux. Mais oh, c'est bon, Advanced Punchline est passé. Donc les gars, dans le vif du sujet, aujourd'hui, âme sensible, s'abstenir, fermer les yeux. Tonton a perdu son pari, Tonton n'a qu'une parole. Moi, je vous dis, voilà, un fucking cul de Tonton Banditos, les gars. Voilà, je vous montre mon cul, frère. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai tenu ma parole. Maintenant, à vous de bon parler de like parce que Tonton a tenu la parole. Moi, je vous dis. Voilà, certes, alors je vous disais tout à l'heure, je vous ai mis deux gameplays. Petit gameplay à l'MTAR, comme je vous ai dit. Et après, je vous ai mis un petit déblocage de Warbird, le Warbird à Tonton. Là.
tu vois, l'ancienne Warbird des chiens au fusil à pompe sur la map Hijacked ou Jacket, je sais pas comment vous l'appelez. Moi je dis Hijacked, mais bon. Petit gameplay rapide, hein, c'était histoire de faire une petite vidéo de 10 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une petite précision aussi, on me demande. Alors je vais vous expliquer un truc, les gars. Parce que quand je live pas le soir, je reçois 30 messages en me disant tonton, tu live pas ce soir, tu live pas ce soir. Donc je tenais à préciser un petit truc, les gars, tout simple, y'a rien de compliqué. Quand je ne live pas, je ne mets pas sur Facebook ni Twitter. Donc c'est que je ne live pas, c'est que je suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un d'autre, je suis allé voir mes potes, je suis sorti. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo Les Confessions de Tonton, au niveau du geekage et de famille, je ne suis pas tous les soirs chez moi devant ma PlayStation ou devant mon Facebook ou devant mon YouTube. J'ai quand même une vie, tu vois, je sors, je vois des potes, je vois une grossesse. Donc voilà, en fait, je voulais vous demander, en fait, c'était une petite faveur, c'était arrêter de m'envoyer des messages en me disant sur Facebook, tonton, tu live pas ce soir, tu live pas ce soir tous les jours, quand je live pas. Il n'y a pas de jour fixe pour le live. C'est en fait, comme je vous l'ai dit, en même temps, je vais en parler pour les nouveaux abonnés qui me suivent, ceux qui arrivent de la PCC, un peu de partout, là, de tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous déjà sur ma chaîne. Je voulais vous parler, certes, de me suivre sur Twitter et Facebook, parce que si vous voulez pas rater les lives sur Twitch, en fait, c'est à chaque fois que je live, je le répète pour tous les abonnés de ma chaîne, à chaque fois que je live, je mets un lien sur mon Facebook, ma page Facebook et mon Twitter. Donc vous ne pouvez pas rater le Twitch. Donc ne me demandez pas, n'harcelez pas l'Inaya de messages, parce que l'Inaya aussi reçoit énormément de messages en disant pourquoi tonton il live pas ce soir et qu'est-ce qu'il a tonton et il va pas bien tonton et il est malheureux et il a pas... Non, tonton il va très bien, tonton il profite de la vie, il profite du soleil, voilà, aujourd'hui je suis allé à la plage, le soir des fois je mange chez des amis, on fait des barbecues, des si, ça y est, nous c'est la fête dans le sud, tu vois, c'est... Donc je serai pas là pour liver tous les soirs et je ne voulais pas aussi vous habituer à être tous les soirs sur un live parce que ça laisse du temps un peu à chacun, autant que vous, vous n'êtes pas collé sur le live et moi je suis pas collé en train de jouer aussi tous les soirs en live. Il y a des soirs où j'aime bien jouer avec ma team sans liver et des fois j'aime bien faire du live, donc voilà. C'était la petite... voilà, j'avais envie de vous dire ça en fait, c'était par rapport... parce que j'ai eu pas mal de questions, pas mal de messages qui m'ont dit « Mais tonton, pourquoi tu live pas? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade, ça va pas ?» Voilà, c'était... Je voulais aussi faire une petite dédicace quand même, je vais vite faire pour récupérer le nom d'un abonné qui m'a envoyé GTA quand même, je me devais de lui faire une dédicace. Une grosse dédicace à toi, Jérôme Camelo. Franchement, merci beaucoup, il m'a envoyé GTA 5 sur PlayStation 4. J'ai eu l'occasion de tester vite fait une petite heure, je ne me suis pas encore mis bien dessus. Mais en tout cas, gros merci à toi, voilà, il m'a envoyé un petit message, il m'a dit « Tonton, si tu veux GTA 5, je te l'envoie, donne-moi ton adresse, je te l'envoie. » Et honnêtement, je vous dis franchement, deux jours après, je l'avais dans la boîte à lettres. Il a été rapide, il a été, il n'a pas fait la bouche, il m'a envoyé le jeu. Franchement, gros merci à toi, Jérôme Camelo, merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit déblocage de chien à l'ancienne. Vous avez pas kiffé un peu là, la Warbird comme ça, là, gros bruit de Warbird. Je me languais un gros Black Ops 3 quand même, j'espère qu'il va être pas mal. J'aurai un gros sujet bientôt sur Black Ops 3 au niveau, je vous en dis pas plus, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, voilà les gars, mon pari a été tenu. Pour la petite histoire, honnêtement, si, je ne dis pas quoi, mais si cette vidéo elle dépasse un jour les 100 000 vues, je vous ferai encore un truc épique. Parce que là, c'est vraiment énorme. Le gameplay touche à sa fin. J'espère en tout cas que vraiment tout ça, ça vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous donne rendez-vous. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Samedi, les gars, samedi épique. Deuxième DNA en live. Rediffusion Twitch sur ma chaîne, les gars. Je vous en dis pas plus. Je rentre dans l'apéro. Il y a du match PSG Marseille. J'étais énervé par rapport au match qu'on avait perdu. Marseille avait perdu contre le Paris Saint-Germain. J'étais énervé. Première partie à froid. Vraiment une épique réaction. Un truc de malade sur comeback avec la speakeasy, les gars. Non, c'était la speakeasy. Franchement, énorme. Je vous en dis pas plus. Vraiment un gros rendez-vous samedi. Je demande à toute ma communauté d'être là samedi si vous voulez voir un live comme vous en avez jamais vu. Je crois qu'il n'y a aucun youtubeur qui a fait une épique réaction comme j'ai fait celle de samedi. Je la mettrai sûrement samedi soir, je pense, sur ma chaîne. Donc, je donne vraiment rendez-vous samedi soir pour une fucking DNA avec la team OCB, rediffusion sur live Twitch. Énorme, franchement. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, les gars, parce que j'ai l'impression que pas tout le monde a encore vu les vidéos. J'ai l'impression que je vais un peu trop vite. Je vous envoie un peu trop de vidéos en ce moment. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur les deux vidéos précédentes si vous avez raté. Suivez-moi sur Twitter, Facebook et ma chaîne Twitch aussi. Sur ce, je vous dis bon milieu de semaine à tous. Et rendez-vous ce week-end pour une fucking DNA en live. Sur ce, allez, ciao les gars!